des nouvelles villes récemment construites? Ou des villes... Des villes nouvelles pour moi? Des villes que je connaissais pas déjà? Mais à Montréal, la maudit! Ça, c'est vite! Il y a des tout nus partout! Non, Théo! Il y avait des tout nus partout! Des rues entières! Moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas. Tu marches sur la rue, tu sais, là, tu regardes dans les airs, puis tu vois des danseuses. Tu sais, les trottoirs, il y a une tout nue qui te tête de l'argent. Des vitrines, il y a des gadgets, des revers à boules. C'est fucky, man. Il y a rien que du cul. Non, c'est vrai, le Montréal, j'adorais ça. J'ai adoré ça. En tout cas, moi, déjà, sortir de chez nous, c'était bien weird, tu sais. En fait, au Canada, c'est pareil au même. Les villes, là, tu regardes, de l'est à l'ouest, ça ressemble tout à chez nous, genre. Non, il y a le même monde crotté tout partout. Il y a les mêmes corps à vidange. Il y a des chars dans toutes les villes. Non, mais regarde aux États, tu sais. Aux États-Unis, c'est un super gros mélange. Le Canada, c'est une grosse salade, mettons. Hey, si j'avais su qu'il y avait un nombre incalculable de paysages différents chez nous, je savais pas, moi, qu'il y avait des montagnes au Canada. Même vu ça. T'sais, tu vois à l'est, tout ce que tu vois, c'est de l'eau. Tu vois à l'ouest, tu vois rien qu'un gros paquet de montagnes. T'sais, entre les deux, ben, y a rien. Y a rien pantoute. Y a juste un gros terrain abandonné, comme un trou noir. Y a des lacs géants, des lacs gigantesques à la côte est, au bout de la côte ouest. Des super gros lacs, les plus gros que j'ai vus. C'est une grosse salade, ce pays-là. Puis Ottawa, c'est le cuisinier. Compliment au chef. Fuck the shit, fuck the shit, fuck shit, the fuck shit, the shit, the fuck shit, fuck. Ça, Borski! Mais qu'est-ce que c'est ça, man? C'est le château Frontenac. Veux-tu savoir l'histoire? Ah, OK. Ben, m'a te conté ça. Tiens. Tu vois, Théo, tout comme les pyramides de l'Égypte ou les gâteaux du Pays des Merveilles, le château de Frontenac a subjugué l'imaginaire de tous depuis des siècles. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1901, Monsieur Pierre du château de Frontenac a campé juste ici une nuit pendant qu'il se rendait à Timmins, Ontario. Et le matin, en se réveillant, ben, des Indiens du coin lui avaient apporté des beaux cadeaux. Il y avait des cipayes et de la viande en boulette. Et lui, il croyait pas ce qu'il voyait. Il s'est dit, ces Indiens-là sont dit assez fins, on va faire un super château hôtel exactement à cet endroit-là, drette juste pour eux autres. Puis, tu l'aimes-tu, mon histoire? Ouais. Je le savais. Pas sûr de tout avoir compris, mais je l'aime bien. OK. Ben, oh, toi, je te jure, t'es tellement cute, t'es toute fouille innocente. Ça fait que là. Hey, moi, j'ai faim. Ben, mange donc des feuilles! Hey, c'est pas cool, mon dieu! Oh, on est au Québec! On est au Québec!